Ok, super. Merci. Merci, merci. Bonjour les amis, on est nouvelle manifestation. On est le 15 juin 2024, samedi. Il y a plusieurs convergences. Il y a pour la paix en Palestine, anti-fasciste, suite à les élections législatives. Place République, direction Bastille après Nation, comme d'hab. Hein. Le parcours, on va dire, le plus simple. Qui dérange personne, ce parcours-là. Se balader à Nation, place de la République, ça va déranger personne. Thank you.
Bonjour, le salon Euro Satori, c'est un salon des vendeurs d'armes, c'est un salon mondial de l'armement dans lequel tous les vendeurs d'armes du monde viennent se rencontrer, échanger leurs armes et signer des contrats commerciaux qui sont toujours sur le dos des peuples, c'est toujours, les victimes sont toujours les peuples de ces massacres. Voilà. Donc nous, on a fait une campagne pour obtenir l'annulation totale de la venue des vendeurs d'armes israéliens, parce que les vendeurs d'armes israéliens, ils testent leurs armes à Gaza, ensuite ils les marketent au reste du monde, regardez comme nos armes tuent bien. Donc on a réussi à obtenir une décision gouvernementale et une décision en justice pour interdire totalement la venue de ces vendeurs d'armes israéliens. Mais il y avait au moins 72 stands qui étaient prévus, ils ont été totalement annulés. Ensuite, on a poursuivi en justice pour qu'il n'y ait pas un seul acheteur israélien qui puisse venir non plus. Après, nous, on reste mobilisés parce qu'on sait que ce salon, ça reste un salon des vendeurs de morts. On sait que les vendeurs d'armes israéliens, les vendeurs d'armes français, ils continuent de vendre du matériel militaire à Israël. Donc nous, on continue la campagne Stop Arming Israël et on appelle à un rassemblement lundi devant l'entrée de ce salon Euro Satori à 8h30 au parc des expositions de Villepinte. C'est le rassemblement. Voilà. À 8h du matin. Voilà. À Villepinte. RERB. Merci. On fait un contre-salon avec des tables rondes, des ateliers, une exposition, etc. pour construire un monde autre que celui du monde d'Euro Satori. Donc on appelle ça Anti-Satori, le salon du désarmement. Donc on va parler de la militarisation de la société, on va parler de comment on peut lutter contre les guerres en tant que travailleur, en tant que syndicat, en tant qu'étudiant et en tant que citoyen tout simplement, mais aussi comment par exemple le féminisme peut être en résistance face aux guerres, comment l'écologie est impactée par les guerres et comment la société française se militarise. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont hyper pertinents, même dans la situation actuelle avec la montée de l'extrême droite. C'est hyper important qu'on soit préparé, nous, à être armés contre cet armement, justement, du fascisme. Merci. On lâche rien. Et nous parle d'égalité, et comme des cons les accueillent, démocratie fait moi marrer, si c'est...